Alors, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, je vais aller tester quoi, les limites. Quand vous faites monter sur scène le professeur Forisson, qui est un révisionniste, un antisémite assez connu, là, vous savez très bien que vous allez provoquer, c'est ce que vous voulez. Ben, je l'invite pour lui remettre le prix de l'infréquentabilité. Et c'est ce que je fais. Et je ne lui donne pas la parole. D'ailleurs, il ne l'apprend pas. Je lui dis, voilà, je voulais vous remettre le prix parce que je me suis renseigné, vous êtes la personne la plus infréquentable de ce système. Et ben voilà, c'était... Et j'ai rencontré une personne qui a accepté ce prix, tant mieux. Mais à aucun moment, je n'ai pu étudier ces thèses sérieusement. Je ne l'ai jamais fait, je ne les ai jamais commentées.